Elle est pas nette. Mais La t'es pas pauvre, net, bah. elle a pris cher, c'est pas sa faute, arrête de te foutre de sa gueule. Non C'est pas mais. parce qu'on est moche qu'on peut pas réussir dans la vie. Si ça se trouve dedans, t'as des trucs de malade, tu le sais même pas. C'est pas faux. Donc voilà. C'est pour ça, c'est ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'on est moche qu'on peut pas réussir. Voilà. Peut-être que t'es moche à l'extérieur, mais que t'as un bon fond à Voilà. l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a du lourd. Ah, logique. Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré. J'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis pas tout seul parce que je suis avec Dragonfly. Vous avez l'habitude de le voir à force dans les vidéos, je crois mec sans déconner que t'es l'un de ceux avec qui j'ai fait le plus de feats ici. Incroyable, Bien, le bien. mec limite il vit chez moi, j'ai l'impression C'est tellement qu'on faux. se voit. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui mec? Ben, on va s'ouvrir deux tin box que vous voyez juste là. Les deux tin box qui m'ont été gentiment offerts par Jean-François m'a envoyé ces produits. Et bah, vu que Dragonfly est un spécialiste de ce petit archétype, je me suis dit, on va l'ouvrir avec. Alors, sous prétexte, mec, que tu es spécialiste des hiératiques, tu as le droit d'ouvrir une tin box hiératique sur ma chaîne. Ah, logique. Bah ouais, Je logique. peux pas ouvrir la Odaïs, moi. J'aime pas. Donc voilà. Bah comme je vous l'ai dit, il va donc ouvrir cette tin box. Et moi, j'ouvrirai donc la tin box Odaïs. Et comme vous le savez, les amis, c'est des anciennes tin box. Et qui dit ancienne tin box dit Des belles des choses. belles choses à l'intérieur. Est-ce que tu peux vite fait nous parler du coup de ce qu'il y a à l'intérieur de cette tin box? Toi qui Alors, connais bien du coup. donc cette tin box est sortie en 2012, je crois. Ouais, c'est une tin box de 2012. Et du coup, dedans, il y a un booster Hors du Chaos, trois Gaov, donc Seigneur de la Galaxie, là où il y a tous les hiératiques, et un Redu, Retour du Dualiste. Donc là, j'ai pas tout en tête, mais Ordre du Chaos, c'est peut-être la moins intéressante. Il doit y avoir des ultis sympas comme la Xyz Automate qui est bannie, là, la Link 3 qui permettait de faire la Endloop. Et puis Bus des Enfers, des trucs comme ça, C39. Dans Gaov, il y a la voiture cardée, en secrète, le Big Eye, et du police du coup aussi. D'autres trucs sympas, enfin, j'ai surtout les hiératiques en tête, j'avoue. Et dans Redu, il y a Spellbook, donc le Blue Boy qui est un ultra ulti, Incroyable. Le secret, livre de magie des secrets qui, je crois, est en ultra ulti aussi, et la prêtresse qui est en secrète. Doit y avoir d'autres choses, mais pareil, Ouais, on voilà. verra. On verra en ouvrant, les amis, mais comme il vous l'a dit, sérieusement, il y a tellement de belles cartes qui donnent C'est envie. C'est un truc de malade. la meilleure époque, hein, pour Ah, moi. bah, ouais, Pour clairement. moi, en termes de deck. Et là-dedans, à l'intérieur, donc moi, je vais vous le montrer ici parce que je suis pas trop un J'ai spécialiste. même pas parlé des promos, ouais. On verra. Ouais, on verra bien. Du coup, à l'intérieur donc de la tin box Odaïs, on a donc 3 mégapacks de 2015, une Platinum Secret rare, donc Dragon Pendulosion Impair, parce qu'à l'époque, justement, ils offraient des Platinum en carte promo. Donc à l'intérieur, on a donc celle du Odaïs, deux cartes super rares, Norden, ancienne entité, repose en paix, mon ami. Très très bonne carte. Démon de la Majesté, qui est quand même une très très bonne carte. Donc quand même des Elle était promos à avec l'époque, c'était des trucs de malade. Et donc les méga packs, c'est comme d'habitude, une secrète rare, une ultra rare, une super, une rare et 12 communes. Et qui sont donc tirées des extensions Origine Primitive, l'Alliance des Duelistes, les nouveaux Challengers et Secret de l'Éternité. Donc franchement les amis, oh, que du lourd. Ah, oh, j'ai tellement hâte d'ouvrir. Bon mec. Il faut dire que c'est pas comme les tin box de cette année. Ouais. Puisque cette année, on a eu le droit en plus des parallèles à des rares, enfin des changements de rareté. C'est vrai, ouais. Donc là, Alors que c'est vraiment là, les mêmes raretés qu'on ouais. retrouvait dans les boosters. On parlait de Dante avant, donc Dante Burning Abyss, le Xyz. Il est en secrète dans Duelist Alliance et il sera en secrète là-dedans aussi. Ouais. Ouais, donc t'as pas de up de rareté ou de rareté qui change. Ok. Mais il y a quand même des très bonnes choses. Hein. Oh, tu m'étonnes. Infernoïde. Oh là là. Ouais. Mais Allez. avant de commencer, Quoi? moi j'ai une question. Quoi? Que la communauté se pose, moi je connais la réponse. On a tourné donc une vidéo Oh putain, ensemble. mais sérieux. Non mais mec, on a dit on n'en parle pas. Il y a un mois et demi peut-être, je ne sais plus. Quelque chose comme Sur ça. Fist of the Gadget, et du coup on avait ouvert 12 boosters chacun. Et c'était une vidéo donc en deux parties, une vidéo challenge, souvenez-vous. Chacun pouvait avoir 12 boosters et on devait faire un petit peu un deck de sneak peek en fait. Et cette vidéo donc d'ouverture est sortie, avec du coup la promesse d'une deuxième partie. D'un duel entre lui et moi avec les cartes qu'on avait chopées. Et la question qu'on se pose tous, c'est
Quand est-ce que sort ce duel? Il sortira jamais. Il sortira jamais parce qu'en fait, je sais pas pour... Mais attendez, non mais, sans mentir, je sais pas comment ça se fait, je ne retrouve plus la vidéo du duel. Et pourtant, je l'avais mis dans un dossier, j'ai fait mon petit traitement, j'ai tout fait, je ne la retrouve plus. Elle est plus dans la corbeille, elle est nulle part. Donc j'ai essayé un peu d'esquiver le sujet, et comme par hasard, toi tu remets le couteau. Moi je t'invite, je te fais ouvrir des beaux produits. C'est pour la commune. Ouais, c'est pour la commu, c'est ça. Bon, les potes, on va donc s'ouvrir. Bah, en vrai, ça m'arrange, hein. Est-ce que je peux dire le spoiler? Ouais, bah vas-y, de toute façon, elle sort. En fait, le duel était un petit peu serré, et j'ai voulu un petit peu débloquer la situation, j'ai fait un misplay, et j'ai perdu comme une merde. Voilà. Bon, d'un côté, tant mieux qu'il soit pas sorti. Ouais. Ok, mec, bon, du coup, on va se déballer les deux tin box. Est-ce qu'on ouvre d'abord une tin box en entier et une autre tin box, ou on fait un booster? Bah, sachant qu'il y a 5 dans celle-là et 3 dans l'autre, je sais pas. Ouais, au pire, t'en ouvres deux et une... Un, deux, ouais, je sais pas. Bon, on déballe. Bon, du coup, les amis, on a déballé. Donc, à l'intérieur de la tin box Odize, moi, j'ai donc mes 3 mégapacks plus les promos. Toi, t'as eu quoi? Ouais, bah moi, du coup, c'était pas scellé comme toi. Donc, il y avait un petit prospectus avec ce qui sortait à l'époque. Donc... Oh là 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 là. Des infos 2012, sur... mon pote. World Championship 2012. WCQYCS. Et du coup, ce qui sortait à l'époque. Oh, mais ça date de tellement... Mais les protèges cartes là, elles datent de tellement longtemps. Le deck Poséidon, enfin Atlantéan, qui se couplait bien avec Mermail, et les Mermail qui étaient du coup là-dedans. Dans l'ascenseur des abysses. Wow. Oh la vache. Ça date. Fais voir du coup tes boosters. Et du coup, le petit paquet promo qu'on va ouvrir juste après. Le retour du dueliste. Oh. Donc il n'y a aucune première édition. Les 3 seigneurs de la galaxie. Tellement bon les seigneurs de la galaxie. L'ordre du chaos. C'est beau. Hein. Oh, clairement. C'est beau. Bon, du coup, franchement, vas-y, commence. Let's go avec les promos. Je me demande combien je vais... C'est ce que je disais avant à Obscurity. Combien je vais encore en ouvrir comme ça. D'ailleurs, il est... Pas des tonnes, hein, je crois. Il est hyper bien scellé. Ouais. Je suis en train de galérer. Et franchement, Jean-François... Est-ce qu'on va cut? Des bisous sur toi, mec, parce que là, tu régales. Je vais y aller, avec les dents, mec. Hein. Je suis un cannibale, moi. Voilà, c'est bon. Ça nous rajeunit pas. C'est clair. Le... Oh là 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 là. Est-ce que c'est le moment où je vais montrer ça? Donc c'est juste pour comparer. Le Héliopolis en US. US et le Jap. Mais le Jap, elle est incroyable. Je remercie la personne qui me l'a échangé au repère parce qu'elle est magnifique. Repère du dragon. Repère vrai frère. Donc ouais, là la carte de la team box. Hein. Le dragon de la vérité corrompu. C'est du film celle-là, non? Je l'ai même pas vu. Ah. Souza. Ouais. Lévière. Très bonne carte. Ah, mais ça, c'est incroyable. Et la carte qui est après, c'était aussi extrêmement attendu à l'époque. Oh, le lapin. La première réédition du lapin sauveteur. Ouais. Crois. La première édition, c'était la secrète. Non, la première réédition, je veux dire. Ok. Ouais. D'accord. Oui, il y avait la secrète qui coûtait, je sais plus. Beaucoup trop cher. Ok. Donc, bah, moi, je peux montrer du coup mes promos également. On va le faire. Alors. Comme je vous l'ai dit, le dragon pendule aux yeux impairs, très très bonne carte. Elle est magnifique en platinium secret comme ça. Ça, incroyable. Le Norden est ripé à lui parce que du coup, c'est une carte bannie. Oui. Mais elle est comme quand même. Comme Agarpain. Et le démon de la majesté, une très très bonne carte qu'on a eu récemment du coup dans Duel Devastator. À l'époque, il l'avait mis en carte promo. Et voilà. Bon bah on va attaquer tout de suite les boosters, hein. Franchement on va pas perdre de temps. Alors moi comme je vous l'ai dit, j'ai 3 mégapacks, ouais. Toi t'as beaucoup plus de moi, boosters que moi. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que je vais en ouvrir 2 et puis après ouais, un, histoire qu'on soit tous les deux au même niveau, donc 3 boosters. Je vais ouvrir l'or du cas en premier parce qu'il est quand même moins intéressant. Ouais. Et puis un seigneur de la galaxie à chaque fois, qu'il y en a 3. Oh là là. J'espère ouais. Vraiment que c'est pas rainé, hein. Ouais, j'espère. Eh, mais si on tire du lourd, mec, je te jure, je pète tout. Hein. Je deviens. Oh là 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 là. Evolzor, ça date. Evolzor Terrias, sous primitive. Il n'y avait pas de foil. Garanti. Hein. Ouais. Cérémonie de saut du caton pour les ninjas. Lézard photon. Est-ce que ça veut dire qu'on a quelque chose derrière? Je sais pas. Je sais pas. Oh, une ultra. Et comme je vous dis, c'est pas garanti. Du coup, c'est. Oh, c'est incroyable, ouais, de tirer une ultra. Ça avait beaucoup plus de. De valeur déjà. Aujourd'hui de tirer une ultra. C'est pas des ultras à 10 centimes quoi. Le sculpteur d'esprit dans Dark Knight Storm. Non, dans Rira. Reflet XYZ, alors c'est une counter trap. Qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'une magie piège ou un effet de monstre qui cible un plusieurs monstres XYZ sur le terrain est activé, on peut annuler et détruire et infliger 800. Ok. Donc, c'est cool. C'est plutôt ok. Shulen le prophète.
Numen Era Testudo. Ok. Contre Force et Ninja Masqué. Et bisous. Bon bah il était pas ruiné comme tu dis l'ordre du chaos. Hein. Le seul c'est... ordre du chaos qu'on a, une petite ultra à l'intérieur. C'est vrai. Hey, franchement c'est cool. Hein. Bah ça veut dire qu'on l'aura pas autre part en soi, à part si vraiment on a un truc de dingue. C'est ce qu'on espère. Bah oui. Allez, vas-y. Gantlet, un Zector. Oh du hiératique. Est-ce que c'est un hiératique nul? Raconte. Alors, cette carte, je l'ai jamais trouvée très forte, déjà parce que on joue plutôt les niveaux 5 et 6. Mais il se trouve que maintenant, avec les Guard Dragons, etc., elle a un effet plutôt intéressant, puisqu'une fois par tour, lorsqu'elle va être ciblée par un magie piège ou un effet de carte, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre normal dragon depuis notre deck. Main au cimetière comme les autres et son attaque défense deviendra 0, donc ce qui fait qu'avec la magie Dragard qu'on va tuto avec Ib, si on décide de switch une 8 de place, et ben on va pouvoir spé, puis après on va pouvoir la réinvoquer par exemple avec Pisty, puis si on cible avec Destrudo pareil on va pouvoir invoquer, et du coup c'est elle maintenant qui va, c'est un petit peu un starter du deck, un peu comme un Draconé. Ah ouais, elle est incroyable. Voilà. Hiératique. Elle revient de loin. Fureur Xyz, Flèche Rocket Express en rare et. Oh. Wouah! Mec, t'es sérieux? Oh là là! Oh! Hey, mais. Attends. Dans la display! Non, dans la Team Box Hiératique, tu chopes la secret! Je veux posséder tous les hiératiques de France! France! Oh là là! Oh non, mec! C'est le destin! Oh la vache! C'est le destin! Non! Nique le setup! Oh, j'y crois pas! Mais mec! Oh là là! Oh, c'est ouf! Comment il s'appelle? Jean-François, c'est ça? Ouais, Jean-François! Oh! Tu es une belle personne! Je te jure, j'ai vu 3000, j'ai fait. Attends! Wow. Oh! Insane! Et bah voilà! Elle est magnifique! Oh, la bouboule! La bouboule! C'est juste incroyable! Le pack king! Le pack! Oh là là! Oh. La bouboule! Dragon étoile brillante et retour. Ah non, il y a resté une, pardon. Gamusha. C'est incroyable, wow. Tu tires deux boosters, mec, t'as deux foils dans la secret, quoi. Oh bah, c'est déjà mieux que le Figa de la dernière fois. Ah bah, c'est mieux que le Figa de la dernière fois, ça je confirme. Ouais. Déjà, le reflet et le. Le reflet et le yellow. Mais... Je vais le mettre là. Est-ce que je peux me permettre de mettre la bouboule là? Bah oui. C'est là, ça reste la bouboule. Et sur le playmat, en plus, on en a pas parlé, mais. Ah, c'est vrai. Il est incroyable. Bien sûr, Gaïa. Gaïa toujours là. Oh là 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 là. Bon. Ouais, j'espère que tu feras aussi bien. Bah moi en fait j'ai du garanti, tu vois. Là c'est encore mieux parce que t'as pas le garanti, tu vois. Donc c'est ouais, mais parce qu'on a encore plus fort. On a parlé des bonnes secrets. Les bonnes secrets. On a parlé des bonnes secrets, mais on n'a pas parlé des nuls. Il doit en avoir des rincés. Donc ça se trouve tu peux avoir des trucs. Hein. Je sais pas. Mais c'est vrai, il y a Dante, il y a les Infernoïdes, il y a. Oh. Ah d'accord. Il y a Shadow également. Et il commence donc par la rare. Princesse dansante des nécroses, elle est trop belle. Bah, on saura pour après, du coup. Ouais. Oh, Delteros. Delteros, okay. Pas dégueu. Satel Chevalier Delteros, très très bonne carte. Je me souviens à l'époque, dans le booster, justement, quand elle était sortie, Secret, Ulti et Ghost. Ouais, c'est vrai. Elle est en Ghost. C'est vrai. Incroyable. Ripley Ghost aussi. Hein. Oh, oh, joli. Obscurité de Yang Xing. Obscurité de Yang Xing. Et Obscurité de Yang Xing. Donc, c'est à ça que je ressemblerais si j'étais à Yang Xing. Tiens. Casse, t'en penses quoi? Oh, fusion, pas dégueu. En plus que ça revient en ce moment, franchement, on tirait une. Elle a été rééditée 50 fois. D'ailleurs, le deck Shadow qui sort en décembre en ECG Le deck de structure. Ok, du coup, on passe tout de suite aux communes. Oh, Samouraï Supra Lourd. Ouais, artefact. C'est vrai que, Il y a du artefact dedans. La Brice. Bujin. Oh, les Bujin. Tellement. Mais ça, en vrai, c'est la plus belle époque. Ouais, c'est vraiment la plus belle époque pour moi. Merveilleux ballon, génie démolisseur de rituel, nivérophile, ça fait plaisir aussi de redécouvrir des anciennes cartes, carnaval hippo, attaque d'âme, château dans le ciel, elle est jolie ouais, coup de poing dans la boîte, et c'est fini, allez, vas-y, ouvre tes boosters, parce qu'en vrai c'est surtout tes boosters qui m'intéressent, mais... Oh là là. Et bah, si tu rechopes une feuille, franchement, je comprends pas. Hein. C'est vraiment béni des dieux. Bah, on invente Guingamp. Hein. Tout droit. Vas-y. Papillon Lumière de Lune. Ouais. Papillon qui a reçu du support, du coup. Dans quoi? Dans Chim, c'est ça. Le Neptet. Donc, ouais. Le Nebet. L'âme Bonzer.
Dame des dés. En rare, on va avoir diversité Evo. C'est vrai qu'il y a des Evo. Ah oui, on a eu le. Ouais. Très récemment. Et oh, une super. C'est incroyable. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas garanti. Donc et en plus, allez, justement cette carte, belle, hein. le petit texte qu'ils l'ont mis en dessous, justement, c'est avec une écriture différente et tout. Et je trouve ça tellement stylé. C'est dommage qu'il ait pas refait pour d'autres cartes. Arthur. Ben du coup, bah, incroyable. Hein. J'ai peur que pour les deux derniers, il y ait rien, mais en même temps, c'est déjà super. Non, hein. Mec, t'as vu ce qu'on a tiré. EZ, qui est avec très très fort EZ. Sou. Mais on se les chope tous, hein, tous les hiératiques. Hein. C'est beau. Camera Clops. Mais c'est bon. Fini. Oh là là. C'est incroyable. Mais l'ouverture bénie des dieux. Bénie des dieux. Bon. Petit tricks, du coup, pour mettre tout derrière, hein, vu qu'apparemment, ils les ont mis devant. On garde vraiment le suspense jusqu'à la fin. J'ai l'impression de faire du Pokémon. Laser Clip, génie démolisseur de rituel, Nivérophile, attaque d'âme, château dans le ciel, résurrection pote artiste, illusion des ballons, poisson épée pote artiste, lion peluche mâle, armure brisame samouraï supralourd. La vache, les vieilles cartes. Oh, Stealth Chevalier, Capella. Elle est trop belle. Ouais, il y a Deneb également. Tobogor Sylvan. Chopinal, la maestra de la musique. En rare. Ouais, ça, c'est donc la super. Ouh, Wendigo. Ouais, petite pensée à lui. Wendigo, marionnette de l'ombre. Elle est trop belle, cette carte. Oh, j'aime trop. L'ultra, donc. Réserve de fusion. Très, très jolie. Elle est sympa. Et donc, la secret. 2006-2005, tcha. Ouh, Amaterasu. Bujinki Amaterasu. J'adore cette carte. Elle est trop belle. J'aime beaucoup justement les Bujins. La période Bujin, mais oh, qu'est-ce que j'ai adoré jouer à cette époque. C'est dommage, ça manque. Vraiment, ça manque. Une petite ligne Bujin, histoire de faire revenir le deck. Du support hiératique. Vas-y, mec, fais tout péter. C'est quoi que tu ouvres là? Ah, là, ben, il reste le réduit et un Gaov, du coup. Ok. Oh là là. J'ai encore envie d'avoir des foils, mais plus on en a, plus c'est compliqué. Où fais-tu? Malchos. Trans le Spada Saint Magique. Gargano MK2. Non Ultime oh, oh non. Destructeur de la proie, Jean-François. Non. J'ai vu les portes, j'ai fait c'est pas possible. Mais moi d'ici je l'ai pas vu. Moi je les ai vus justement, j'ai fait mais non. Quand t'as gueulé je me suis dit c'était peut-être les stats que tu connaissais ou quoi. Moi j'ai pas mais vu les bords vu que je regardais la caméra. Cette team est bénie des dieux les amis. Elle est bénie. Mais mec on tire que... On a juste pas eu de ghost. Attends il reste un booster. Non. C'est pas possible. Destructeur de la prophétie. Et t'y crois ou pas? Hier, incroyable. Justement, avec 6-9, parce qu'il avait justement la teen avec ces monstres-là, mais je disais, mais il est juste monstrueux. Il est magnifique. Ouais, c'est vrai qu'elle était dans la teen ouais. la même année, je crois. Hein. C'était 0-9. Ouais. C'est une plaisanterie, les amis. C'est une plaisanterie. Si tu veux que je revienne chaque semaine, moi j'en reviens. Et Jean-François qui m'avait envoyé un message. Ouais, j'espère que tu auras de la chance. Tiens. Ça va. Ça va. Vas-y. Ça passe. Continue. Oh, wow. Je rêve. J'ai jamais vu ça. Mec, on a fait super secret. Ultra ulti. Et mon ghost. Non, mais maintenant. Non, franchement, si on chope une ghost dans le prochain booster, mais là, c'est juste impossible. Je vais faire un momo. Je vais casser la télé. Bouclier épée. Le château. Est-ce que tu veux que je le garde pour après? Ouais, non, j'ouvre mon dernier booster. Et tu ouvres le tien en tout dernier. C'est incroyable. Non, mais... Putain, je l'avais pas vu sur la... Waouh. Ah, c'est fou. Destructeur de la prophétie, putain. Cette ouverture est bénie des dieux. Oh la vache. Résurrection pote artiste. Illusion de ballon. Poisson épée pote artiste. Lion peluche mâle. Armure brisame samouraï supralourd. Ouais, c'est que du bonus là. Satel chevalier Capella. Toboggan Sylvan. Lap à peluche mâle, sage du miroir galactique, hymne de la lumière, robot bureau, ça me fait penser à Jacques Yves ça. Tiens, recréation
Oh, Auguste Bête Gladiateur, ça fait plaisir en plus. On parlait avant de Chim avec les papillons là, mais Bête Gladiateur reçoit aussi du support. Ouais, même il y a du support qui va arriver, ouais, justement, très très bientôt. Oh, plus là-haut. Plus là-haut. Vendu Yang Xing. Ok. L'ultra. Deneb. Deneb, c'est quoi ? Moi je savais même pas qu'elle était dedans. Bah pareil. Wow. Et franchement pas dégueu. Encore une carte qui a été rééditée dans Duel Devastator. Ouais. Mais c'est du Denko du coup. Ouais, c'est clair. Et en secret, on aura donc Synchro 2006-2100. Yazi ou Baxia. Oh Yazi. Et mes mecs, c'est incroyable. Alors oh. Avant la vidéo, je lui ai dit si on tire Yazi, j'aimerais bien l'avoir. On va voir s'il va me le trade. On va voir déjà ce que tu tires dans ton dernier booster et après on cause. Parce que là, mec. Ah, c'est. Franchement, mais. Comme j'ai dit, c'est que du bonus. Ah ouais, vas-y. Là, mais j'ai peur. Si on a une... jure, j'ai peur, les amis. Parce que là. Si on a une rare, c'est même pas grave, mais bon. Ouais, clairement. Oh là là. Oh non, mais. Oh là 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 là. C'est... J'ai l'impression maintenant, je te jure. Hein. J'ai envie que tu fasses un titre tellement putaclic. Oh l'enfoiré. Gantelin, Zector, Seuil Erratique de la Suprématie. Du Erratique, Dame Bunzer. Dame Bunzer, on n'a pas encore eu Tefnut. Dame Dédé, Diversité Evo. Non. C'est j'ai vu que ça défilait à 3, je me suis dit. C'est pas grave. C'est pas grave. Ogni à la tête franchement, rouge, mais... Dédale et Garde Bunzer. Waouh. Waouh. Que dire. Que dire, mec. À part que là. C'est. Abusé, wow. C'est clairement abusé. Parce que là, mais. Tout ce qu'on a eu. C'est fou. C'est dingue. En 5 boosters, on a réussi quand même à avoir ça. Mais surtout, tirer une ultimate, quoi. J'ai jamais. Je crois que j'ai jamais tiré d'ultimate en vidéo. Mais à part tout au début de mes vidéos en 2014 encore. Des trucs, mais. Il avait les cheveux longs. Ouais. Il avait les lunettes. Magnifique. J'avais ça. Les anciens. C'est l'ami Obscurity. Ouais. Swan, ton youtubeur préféré mort dans le game. Oh là là, la vieille a trop. Non mais là mec, franchement je sais pas quoi dire. Mais je sais pas quoi dire. Non, c'est fou. C'est juste incroyable. Bah, même toi en vrai, hein. T'as eu Yazi, t'as eu. Ouais, j'ai eu du Delteros là. J'ai un petit Delteros qui traîne, la marionnette. Le Yangzin. Le Yangzin. Non, franchement, même moi j'ai. Là, le Amaterasu. Et la. Et la Bouboule. Toujours là. Non. Lapin. Ouais, ouais non mais franchement ouais, c'est une ouverture promos, hein. Incroyable. Je m'attendais pas à voir ça en vidéo. Super sympa les promos. Ouais. Non, il y a tout qui va dans cette vidéo. T'ouvres déjà de vieux boosters, du coup t'es tellement heureux. Et en plus que tu tombes du lourd dans des vieux boosters, mais c'est juste incroyable. C'est incroyable. Oh là là. J'avais pas eu la chance de la tirer à l'époque. Et bah voilà. Oh là là. Et franchement. C'est bon. Jean-François là. Jean-François. Régale jusqu'au bout, le meilleur, sérieusement le meilleur. Et pour ceux qui veulent, je sais que cette vidéo sortira après le vlog. Ouais. Pour ceux qui ont vu le vlog, Youbel, si tu regardes, hein, tu as dit que tu vendrais donc aux abonnés qui te demanderaient le dossier d'Obscurity pour 10 euros. Mais mec, mais je t'es le sérieux fais pour 2 euros. Mais d'où Goudou, t'achètes les dossiers. Envoyez-moi un message privé pour 2 euros, je vous donne un dossier d'Obscurity. D'Obscuritos, le mec. Mais même pas en rêve, le mec, je l'invite. Voilà les potes, vous voyez les potes hein. Tu les invites, tu leur fais ouvrir des produits de fou et après ils veulent balancer des dossiers. C'est beau. D'où c'est beau, hein. Ouais. Ça c'est beau. Ça c'est beau, clairement. C'est beau. Bon, les amis, on va terminer la vidéo là-dessus. Franchement, que du très très lourd. Mais incroyable, j'ai une émotion, je vous jure, c'est juste incroyable d'avoir tiré tout ça. C'est vraiment, mais que du bonheur. Et comme dit, c'est pas tous les jours qu'on ouvre ça. Hein. Et c'est pas tous les jours qu'on ouvre ça, donc c'est incroyable de tirer ça et d'avoir pu ouvrir ces produits. J'avais c'est que du bonheur. Que ce soit comme la Teen Redox que t'avais ouvert. Ah ouais, là, complètement rainé. Ah ouais, non, non, mais là, mec, c'est au-dessus de toutes tes espérances. Au-dessus de tout. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez comment ça marche. Le pouce du pactisan et la cloche de l'oricalque pour être notifié à chacune de mes prochaines vidéos. Merci à mon ami Dragonfly d'avoir participé merci à cette à vidéo. Toi parce que ouvrir ça, c'est magnifique. C'est normal, mec. C'était hiératique ou pas. Hein, hiératique ou pas, c'est que du bonheur. Que du bonheur. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity, accompagné de Dragonfly. Ciao, les gens.